On affronte encore un peu comme quand on a été à Paris, ce qu'on appelle les matchs bonus. Je veux dire, nous, on sait très bien qu'on peut être battu à Monaco. On n'a pas envisagé, on n'a pas projeté des points à Monaco. Ça sera du bonus si c'est le cas. Par contre, on veut s'appuyer sur ce qu'on a fait à Paris, contre une telle équipe, dans un tel contexte, pour essayer d'ambitionner, de ramener au moins un petit point. Parce qu'on sait qu'on est capable, lorsque l'on est discipliné, organisé, qu'on reste audacieux, mobile, on est capable de poser des problèmes à de telles équipes. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'on est capable de reproduire à quelques jours d'intervalle deux productions identiques à l'extérieur contre des adversaires de gros calibre? C'est la question que l'on peut se poser et je suis impatient d'avoir la réponse. Mais moi, je suis persuadé que mes garçons en sont capables. Ils continuent à me surprendre et c'est pas la contre-performance contre Guingamp et la manière dont ça s'est passé qui va me laisser penser le contraire. Voilà, on savait qu'on arrivait dans une période en termes de calendrier difficile. Nous, on a une finale en 2017 à jouer la semaine prochaine contre Amiens. Voilà, là, c'est vraiment notre match de la fin de l'année 2007. Mais les matchs de Monaco et Marseille, tous les points que nous prendrons seront des points bonus qui n'étaient pas programmés. Voilà. Donc, on joue une énorme équipe demain, une énorme équipe. Ils ont des joueurs de classe mondiale, à l'instar de leur buteur, Falcao. Charnière, un gardien complètement international, des gens au milieu comme Fabinho, Moutinho, Lemar qui est un des énormes espoirs du football français. Donc on va affronter un adversaire de gros calibre. Voilà. Ils sont éliminés depuis 3 semaines en Champions League, donc ils sont focus dans le championnat. Il a fait jouer des jeunes à Porto, Léo Jardim, c'est pour avoir l'équipe la plus compétitive possible samedi, hein, pas mercredi. Hein. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. On va essayer de mettre en place quelque chose de cohérent, mais il est évident qu'à chaque fois que nous allons perdre le ballon, il faudra immédiatement et instantanément prêt et dans l'anticipation et dans la réaction. Parce que là, cette équipe, je suis d'accord avec toi, est redoutable dans ces phases de jeu.